Nous sommes à notre 24e numéro de votre émission Saine Éducation, présentée par votre ami Thierry Nongom, sous l'invitation de M. Dramé, professeur de philosophie. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Ngom. J'espère que le cours d'aujourd'hui portera sur l'art, qui est un domaine très vaste, quatrième domaine de la philosophie. Qu'est-ce que vous allez dire sur ça? Voilà, d'accord. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire vraiment de faire un petit rappel sur le quatrième domaine, qui est l'art et les arts. C'est un sujet très vaste, mais nous avons concocté les thèmes, les principaux thèmes qui est la définition de l'art, la définition de l'esthétique. Nous avons les fonctions de l'art et surtout la relation qui existerait entre l'art et la nature. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, entre autres, hein, certainement nous aurons d'autres questions, mais voilà les différents thèmes qu'on va essayer d'élaborer, d'expliciter, pour pouvoir vraiment donner aux élèves les informations nécessaires. Ah, voilà, donc vous allez essayer de nous donner les informations nécessaires vis-à-vis des élèves qui sont des candidats à l'examen au bac. Donc, chers candidats, veuillez nous prêter vos yeux et vos oreilles, parce que c'est très important à ce domaine. Donc, monsieur, je crois que vous ne serez pas seul sur le plateau aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on aura on aura vraiment une intervention venant de Saint-Louis, avec notre éminent professeur M. Sall, professeur au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. J'aurai également besoin de M. Bodian sur les fonctions de l'art, pour montrer aux élèves qu'il y a une interactivité entre les différentes matières, les différentes disciplines. Les fonctions de l'art, si on parle de fonctions de l'art, l'élève pourra, évidemment, avec M. Bodian, saura que il peut même remplacer l'art par la littérature, par la poésie, par également le roman, etc. Donc on y reviendra. Mais pour commencer, le premier thème, c'est définition de l'art. L'élève doit savoir que l'art, pour définir l'art, il a trois leviers. Trois sens, cela veut dire le sens étymologique, le sens ancien et le sens moderne. Étymologiquement, l'art viendrait du mot ars, qui signifie savoir-faire, technique, habileté, métier. Comme par exemple, on peut donner l'exemple, si on vous dit que vous avez l'art de mentir, l'art de convaincre, cela veut dire que vous avez cette habileté, ce métier, cette technique, ce savoir-faire de mentir ou bien de convaincre. Voilà, donc l'art étymologiquement vient du mot ars, savoir-faire, technique, habileté, métier, etc. Donc, le sens ancien de l'art, c'est l'ensemble des règles et procédés déterminés et acquises de manière réfléchie. Et ça renvoie également à la technique. Si on dit l'ensemble des règles et des procédés, comme par exemple l'artiste, le poète, pour pouvoir créer une poésie, il est obligé vraiment de s'adonner, c'est-à-dire de respecter aux règles préétablies pour pouvoir faire les rimes, pouvoir faire des vers, etc. Donc, il y a une particularité entre la poésie et le roman ou bien la poésie, la manière d'écrire un poème et la manière d'écrire également un roman. Ça veut dire qu'il y a des règles préétablies, il y a des procédés à respecter. Maintenant, le sens moderne de l'art, c'est toute création d'œuvre d'un être rationnel. Et dès qu'on parle d'être rationnel, on pense directement à l'homme. La rationalité revient toujours. Donc, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux élèves que la maîtrise du domaine 1 est indispensable. Donc, parce que l'homme, la philosophie tourne autour, les quatre domaines tournent autour de l'homme. Le domaine 1, c'est la philosophie, la réflexion de la philosophie sur elle-même et sur les autres thèmes,
sur elle-même, le philosophe n'est que l'être humain. Ici également, dès qu'on parle de l'art, on pense directement à l'homme. Pourquoi? Parce que seul l'homme est artiste ou bien artisan. On ne peut pas parler d'artiste chez les animaux ou bien chez les objets ou bien chez les végétaux. Donc, la rationalité revient. C'est toute création d'œuvre d'un être rationnel, laquelle œuvre qui vise essentiellement le beau. Cela veut dire, le sens moderne de l'art, la quintessence est quoi? C'est l'esthétique. Et nous allons voir qu'est-ce que l'esthétique, c'est-à-dire les deux définitions de l'esthétique. Alors, donc l'esthétique, il y a deux sens. Sens étymologique et sens thématique. Étymologiquement, le mot esthétique viendrait de aesthesis, qui signifie sensation, beauté, sentiment éprouvé, autrement dit la science du sensible, étude de la sensibilité ou la science du beau, comme pour ne pas reprendre ce poète Beau Sombre. Donc nous avons un poète Beau Sombre qui dit que l'esthétique, c'est l'étude du beau. Tout ce qui renvoie à la beauté, c'est ça ce qu'on appelle l'esthétique. Même si cette esthétique peut être subdivisée en plusieurs parties. Nous avons l'esthétique comme les Japonais, le wabi, le sabi, l'awar ou le yugen. Donc on y reviendra pour montrer que nous avons plusieurs types de beauté. Maintenant, il y a la beauté esthétique qui est contraire à la beauté naturelle. La beauté esthétique, c'est cette beauté que l'homme a fabriquée. C'est cette beauté artificielle. Maintenant, c'est ça la définition étymologique de l'art. Maintenant, la définition thématique, c'est quoi? De l'esthétique, autant pour moi. Maintenant, l'esthétique, de manière thématique, c'est quoi? C'est une branche philosophique, ou bien une idéologie philosophique, ou bien un regard philosophique qui étudie les formes, les fonctions, les finalités de l'art. Donc, en grosso modo, elle est un regard critique sur l'art. Donc, voilà, le mot esthétique a été introduit par un philosophe allemand qu'on appelle Alexandre Bogotern. C'est un philosophe allemand qui l'a introduit en 1750. Alors, donc, cela veut dire tout simplement que l'esthétique est récent. Donc, voilà en grosso modo ce qu'on peut dire sur les définitions. Alors, pour revenir, élève bi bala muy def quoi que ce soit, buñ nako art esthétique war na xam approximativement lan moy art ak lan moy esthétique. Lan moy art mën nako xamé ci ñetti patti, ben bi ci mot bi muy l'étymologie. Étymologiquement, art veut dire savoir-faire, moy veut dire technique, habileté veut dire métier. Comme par exemple ñu né nit ki kat mom ñu né ah ki kat dafa mëna balé ñu ci kat dafa mëna fenn. Tu as l'art de mentir. Alors, et cela, il y a un philosophe également du nom de Plotin qui dit que mentir, c'est un art. Pourquoi? Parce que l'ignorant ne peut pas mentir. Celui qui n'a pas d'art, celui qui n'a pas d'habileté, qui n'a pas de métier ni de technique ou bien de savoir-faire, ne pourra pas mentir. Parce que le mensonge, c'est une vérité modifiée. Qu'est-ce qui nous permet de modifier cela? C'est l'habileté, c'est le savoir-faire, c'est le métier. Voilà. Donc, elle est également, vous savez étymologiquement, warna xam lan moy ancien sens bi. Cela veut dire bu ñëk ba, c'est-à-dire dans l'Antiquité, quelle a été la définition de l'art? L'art a été considéré comme des règles, des procédés acquis de manière réfléchie, c'est-à-dire de manière technique. Ce sont tout ce qui est technique au niveau de l'art. Alors, benen bi également moy le sens moderne. Mun na xamné sens moderne moy légui nak esthétique bi ban sens lañ ko jox. Sens biñ ko jox moy lan? Moy c'est une création humaine. Et là, le cours passé, lorsque je définissais la culture, j'avais dit la culture, c'est une création humaine. Et je faisais une entre parenthèses pour mettre l'art. Donc, l'art ici, c'est une culture. La culture rationnelle d'un être rationnel. Alors, là, quelle œuvre qui vise essentiellement le beau? Maintenant, l'esthétique ici, l'essentiel, moi, le beau, le rafet, le taro. Moi, l'esthétique dit. Voilà, en grosso modo, première partie. Maintenant, deuxième partie, nous allons devoir expliquer
la différence, la relation qui existe entre nature et culture. Maintenant, entre art et nature. J'aime tellement cette leçon-là, nature et culture, et c'est que parfois je dis toujours nature et culture. Alors, donc, art et nature, c'est-à-dire leur relation. Et en ce, nous pouvons poser les questions suivantes. L'art est-il copie fidèle de la réalité? Ou l'art est-il imitation de la réalité? Est-ce que l'art est une création ou bien une expression? Nous allons devoir répondre à toutes ces questions-là. Maintenant, l'essentiel de ce cours, ce n'est pas de donner toutes les informations, mais c'est de donner à l'élève qui nous regarde vraiment les éléments argumentatifs qui lui permettront vraiment, une fois qu'on lui donne un sujet d'art sur art comme mimesis, cela veut dire art comme copie, comme imitation ou bien comme recopie de la réalité, il aura des illustrations, c'est-à-dire des éléments illustratifs. Et cela, il y a des philosophes qui défendent l'idée selon laquelle l'art est une mimesis. L'art comme mimesis, cela veut dire l'art est copié. L'artiste doit copier. L'artiste n'a pas besoin vraiment de créer parce qu'il a tous les éléments dont il a besoin dans la nature. La nature lui présente, lui donne tous les éléments dont il a besoin à travers l'inspiration, à travers également les éléments que la nature lui présente. Et le premier, c'est Platon. Alors, Platon dit que l'art est une copie de la copie. Donc, une copie de la copie veut dire tout simplement que l'art est une recopie de la réalité. Et cela, il l'a expliqué à travers l'âme. Platon dit que l'âme se trouve dans le monde intelligible. Maintenant, une fois au monde intelligible, l'âme cohabitée avec ses pères. Et Platon dit que ses pères ne sont que le beau en soi, le vrai en soi, le juste en soi et le bien en soi. Maintenant, le bien en soi, c'est ce que Descartes appelle la vertu. Maintenant, le beau en soi, le vrai en soi, le juste en soi et le bien en soi. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle la vraie réalité. Parce que Platon dit que nous avons deux types de monde. Le monde sensible, c'est le monde dans lequel nous vivons. Ce monde de fausseté, ce monde visible, ce monde palpable. Et le monde intelligible, c'est le monde vrai, le monde invisible. Mais l'homme, de par son corps, il appartient au monde sensible. Mais de par son âme, il appartient au monde intelligible. Et cette âme cohabite avec ses quatre pères. C'est-à-dire le beau en soi, nous avons une notion de beauté. Le vrai en soi, nous avons une notion de réalité, de vérité. Nous avons une notion également d'évidence. Le juste en soi, nous avons la notion de morale. Et le bien en soi, la notion de la vertu. Donc, il dit que cette âme-là ne peut que recopier cette réalité qui se trouve au monde intelligible et qu'on croit voir dans ce monde dans ce monde sensible. C'est la raison pour laquelle cette âme ne peut pas échapper à cette règle de mimesis, cette règle de recopie de la réalité, parce que l'âme vivait avec ses pères. Alors, ses pères, je l'ai dit, le beau en soi, le vrai en soi, le juste en soi et le bien en soi. Alors, au-delà de Platon, nous avons Albert Durer. Albert Durer dit, plus une œuvre d'art est proche de la réalité, mieux elle sera. Donc, il dit que une vraie œuvre d'art réside dans la nature. Donc, pour lui, le beau ne peut provenir que de la réalité. Alors, nous avons également Jésus dans l'enfant et le raisin. Alors, Jésus avait peint un tableau qui ressemblait tellement à la réalité que les oiseaux qui tournaient autour du tableau venaient picorer les raisins. Maintenant, même Jésus a dit que j'ai un peu failli à l'enfant
j'ai réussi le raisin parce que si j'avais réussi l'enfant, les oiseaux n'auraient pas à avoir cette possibilité de venir picorer le raisin. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur de cet enfant-là. C'est la raison pour laquelle Jésus, à travers ce tableau, montre évidemment que l'artiste ne peut pas échapper à cette règle de mimé, à cette règle de mimésis. Nous avons Praxès qui avait peint son rideau qui ressemblait tellement à la réalité que parfois il s'y cognait. Cela veut dire que je reviendrai en wolof, donc cela veut dire que le rideau peint ressemblait à la réalité de telle sorte que Praxès même s'y cognait pour ne pas faire la différence entre le vrai rideau et du faux rideau. Alors, nous avons les sociologues marxistes et les artistes classiques. Pour eux, l'art est le reflet du vécu quotidien. Donc l'artiste, et nous allons élucider cela à travers les fonctions de l'art. Fonction ludique, fonction, etc. Nous y reviendrons. Nous avons Stendhal qui disait que le roman est considéré comme un miroir que l'on se promène au long d'un chemin ou bien d'une route. Donc cela veut dire que le roman, si vous lisez, le romancier ne fait qu'extérioriser ou bien ne fait qu'écrire son vécu, sa société. Et ça, nous pouvons donner l'exemple de Maria Moba avec une si longue lettre où c'est la symbiose de la société sénégalaise, de la culture sénégalaise et à travers la jalousie, la polygamie, l'amitié, etc., la trahison et tout cela. Donc, nous pouvons parler de Maria Moba. Nous avons également Zola dans Germinal. Donc, vous voyez que dès qu'on parle d'Émile Zola, on pense directement à la littérature. Donc, Émile Zola a raison. Maria Moba dans une si longue lettre, je l'ai tout à l'heure dit, mais nous avons également Büttner avec son chien. Et alors, Büttner déambulait avec son chien dans les rues de Berlin. Alors, il y avait un artiste qui avait peint, qui avait un tableau où il y avait un hameçon. Donc, le tableau ressemblait tellement à la réalité que le chien, tableau. Alors, maintenant, Bidlen n'y a eu d'exécuter où, donc balma ak parce que ça m'a fait dire que le tableau. Donc, l'artiste lui a dit non, au contraire, je vous remercie. Pourquoi? Parce que le chien a montré que j'ai réussi mon tableau, j'ai réussi mon œuvre. Pourquoi? Parce que si mon œuvre ne ressemblait pas à la réalité, le chien n'aurait pas du tout, vraiment, vous n'aurez pas du tout fait ce qu'il a fait. Et il a félicité, évidemment, Büttner. Nous avons Baudelaire. En 1859, Baudelaire disait que je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la réalité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est je crois qu'il n'en est pas certain. Alors, il aurait dû dire que je sais que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Maintenant, pour évoquer un peu les philosophes de l'Antiquité, cela veut dire Cicéron, il dit qu'il y a plus d'art dans la nature que dans la peinture. Donc, cela veut dire tout simplement que l'art est la nature est le reflet, l'art est le reflet exact de la réalité. Nous avons Léonard de Vinci, Boileau, Michel-Ange et Ingres qui disaient la même chose. Vinci d'ailleurs dit lui, l'œil reçoit de la beauté peinte le même plaisir qu'il reçoit de la beauté réelle. Donc cela veut dire que l'artiste c'est un producteur, c'est un copieur, c'est un imitateur de la nature. Deuxième point, c'est l'art comme poésiste. Et qui dit poésiste dit création. Donc, au-delà, c'est-à-dire à côté de ceux qui défendent l'idée selon laquelle l'art est mimésis, il y a d'autres qui disent que l'art est poésiste. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre aux élèves que si on vous donne un sujet d'art,
qui stimule l'art et la réalité, vous avez des possibilités de thèse et d'antithèse. Cela veut dire que la thèse serait quoi? De montrer que l'art est effectivement mimesis, et voilà les philosophes qu'on peut évoquer, entre autres, qui défendent l'idée selon laquelle l'art est copie, recopie, imitation. Et vous donnez les argumentaires. Et en antithèse, vous pouvez dire qu'au-delà de cette vision, il y a d'autres philosophes qui disent que l'art est une poésis au lieu d'être une mimesis. Et cette phase poésis de l'art est défendue par plusieurs philosophes, parmi lesquels, pour Clit, l'art ne produit pas le visible, il rend visible. Par Hegel, imitation de la nature est une activité. Cela veut dire, Hegel dit que l'artiste qui imite la nature, cet artiste-là se lance dans une activité oiseuse, c'est-à-dire une activité vaine qui n'a pas d'importance, oiseuse et superflue, car l'original, la copie n'est pas égalée à l'original. Donc, quel que soit, d'ailleurs, parfois, vous voyez ce qu'on sait, par exemple, M. Bodian, dem defaru bon rafet, dem ci photographe ñu photo ko surtout nak amna portable amna luñu wax Synapsap lo ñu bo photo buñ la photo ci Synapsap da ngay xess mu défar sa teint. Mais regardez ce monsieur Bougnan qui va vraiment chez le photographe ñu défar ko bu mu rafet dakal ko photo mi ñu jox ko soxlo ci wacc mu ne ko oui chérie xolal sama photo bi nu mu rafeté alors. Regardez, holal sama photo bi nu mu rafeté. Donc M. Bodian montre à sa femme qu'il y a une différence nette entre sa photo et lui-même. Parce que holal sama photo bi nu mu rafeté veut dire tout simplement que c'est sa photo qui est belle, mais lui il n'est pas beau. Parce que bu fekkone mom ak photo bi ñoyam def nañ ko holal photo bi nu mu rafeté, mais def nañ ko holal sama photo bi nu mu rafeté. Donc il y a une différence nette entre la photo de M. Bodian et M. Bodian en tant que personne. Donc, c'est ça ce que Hegel dit, une copie ne peut pas égaler à l'original. Donc, l'artiste, la réalité est tellement complexe que l'artiste est incapable vraiment d'être fidèle à cette activité d'imitation. Nous avons également Bergson qui dit que l'art est dévoilement. Quand l'art n'est pas la reproduction d'une belle chose, mais la belle reproduction d'une chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ça donne raison de ce que j'expliquais par la photo de M. Bodian. Parce que l'art n'est pas la représentation d'une bonne chose. Parce que l'artiste peut faire une œuvre. C'est-à-dire, peut partir du lait. L'artiste peut transformer le lait en beauté. À travers cette magie, à travers également les couleurs, les tonalités. Je donne un exemple de Sanson. Donc vous pouvez voir un chanteur, c'est-à-dire limi woy amul ben ndëri, mais nam koy woyé moy neex ni rigou photo lu ci dëkk bi rigou mais rigou amul ben ndëri. C'est pas une chanson bo xamné day joxé leçon bala benen affaire, non, mais mélodie bi son bek tekk bek nga mo neex de telle sorte que rigou foko ki même ak ni sax dañuy ki sen ak yenen chanson d'ailleurs. Donc cela veut dire tout simplement que l'artiste a cette possibilité d'augmenter, de transcender la nature pour en faire sa propre nature, et cette nature ne peut être qu'une nature fictive, artificielle. Alors nous avons Heidegger dit que l'œuvre d'art dit autre chose que la chose qui n'est que chose, elle est allégorie. Donc cela veut dire que l'œuvre d'art, l'artiste, comme par exemple le poème, le poète, si le poète possédait, c'est-à-dire si le poète faisait ce qu'on appelle une copie de la réalité, il pourra vraiment percuriser tous ses vers. Mais vous pouvez voir un écrivain, après avoir écrit ses poèmes, il ne se souvient même pas, il ne peut même pas réciter un ou bien trois vers. Donc cela veut dire que ses vers ne l'appartiennent pas. Il ne fait que vraiment répondre ou reproduire un inspirateur ou une inspiratrice. Alors, Marlowe dit la même chose. L'art est une métaphore de la réalité. Métaphore, cela veut dire changer, muter, augmenter, rajouter ou diminuer. Donc,
Hegel dira également la même chose, je reviens sur Hegel, l'artiste qui aspire à imiter la nature est comparé à un ver faisant des efforts pour égaler un éléphant. Tellement la réalité est complexe, l'artiste est un... Il dit l'artiste imitateur est un menteur. Mais, comme l'a dit Jean Cocteau, est un menteur, mais qui dit toujours la vérité. Même s'il ment, il dit toujours la vérité. Alors donc, voilà en grosso modo ce que... Maintenant, pour donner d'exemple, nous pouvons évoquer la poésie, le roman, la danse, la musique, le théâtre. Parce que le théâtre également fait partie de cet art comme poésie. Maintenant, nous avons le troisième point, art comme expression. Il y a des collègues qui mettent sur la même fange, cela veut dire expression et mimesis. C'est la même chose, mais il y a une différence. Parce que Paul Cézanne dira que alors c'est un peintre français, il dira le soleil se représente mais ne se reproduit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux dessiner évidemment le soleil. Je peux dessiner le soleil. Ça, je fais ce qu'on appelle une représentation du soleil. Mais pas une reproduction. Il y a une différence entre reproduire et représenter. La représentation, c'est l'expression, on l'exprime. Mais il a même donné l'exemple de Jésus, les raisins. Il disait que l'œuvre d'art de Jésus, c'est-à-dire ressemblait tellement à la réalité au point que les oiseaux venaient les picorer. Mais est-ce que l'oiseau qui a picoré ce raisin pain, est-ce qu'il avait senti cette saveur réel, naturel. Non. Nena, artiste, bi, l'oum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 
ça va ne bouquibé. Khalebi de faut retourner chez lui en disant que moi je ne reviendrai plus chez Forbis parce que il est en train de faire ce qu'on appelle une masturbation visuelle. Donc quand Khalebi exprime évidemment que Forbis avait tellement bien peint exprimer une femme nue que l'enfant croyait que c'était de la réalité. Alors, donc, par là, donc l'histoire est longue, hein, bon, j'ai fait un petit ramassé tout simplement. Donc, alors, Fraunhofer, lui, il dit à Forbis que de mon bec, je veux peindre un tableau, mais il va falloir que Djokhma, ce petit sœur qu'on appelle Marie-Mireille, quand elle est venue, ça va du coup peindre, ben comme bi Forbis qui c'est le tableau peint avec Marie-Mireille, monul xamé kan moy magam bu jigen bi ak le tableau peint. Donc ça veut dire effectivement il y avait une expression, mais qu'est-ce qui faisait la différence? La différence se faisait sous l'angle bi nga xamné Marie-Mireille mi nga xamné mom monul na bouger, mais le tableau peint ken bougeul mom monul bouger. Donc il y avait une différence, donc il y avait expression certes, mais il n'y avait pas une repro, il n'y avait pas une reproduction. Nous pouvons donner un exemple local, Mamoussé Diagne, certes, qui disait que certes, l'artiste s'inspire du réel, mais il lui est impossible d'être totalement fidèle à sa complexité. Il ne peut que exprimer au préalable ce qui l'entoure. Donc Mamoussé Diagne dit que même si l'artiste s'inspire du réel, mais il lui est impossible vraiment de reproduire fidèlement, textuellement et totalement la réalité en tant que telle. Il a donné même l'exemple d'un journaliste qui veut vraiment reporter, c'est-à-dire fidèlement, un match de football. Au moment où il dit, El Hadj Diouf dribble, qui donne le ballon à, etc., à Fadiga, etc., il y a d'autres faits qui se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Estat. Donc, il lui est impossible, ce journaliste-là, il lui est impossible vraiment de reporter fidèlement la réalité. Voilà, en grosso modo, ce qu'on peut dire sur la nature entre art et nature. Alors, il y a trois parties. Amne philosophe, yuwahne, art, day, mouna reproduire la nature, mouna imiter la nature, mouna copier la nature fidèlement. Bokku na ci ñuko wax muy Platon fi mu jaar wax lolu moy nit ki yaram la ak roo legi amam bobu nak bako yalla créer depuis deux temps immémoriaux casqué dans une cave qu'on appelle liguane néna bobu dafa amone ñimu nekkalon moy le beau en soi daru le vrai en soi deug le juste en foi deugu et le bien en foi moy wax mu ne lolu nak am bobu puisque c'est l'âme qui permet à l'artiste de créer ou bien de faire ses œuvres, cette âme ne peut échapper à la recopie ou bien à l'imitation. Maintenant, lolu le fait indi. Mu am kenen ku ne Albert Durer mu ne artiste amul lenen lu muy wouti fenen lepp lu mu soxla rek amna ko ci nature bi parce que nature bi amna lepp lu artiste bi soxla pour défar ay œuvres. Praxis mom dafa wonene artiste mën na recopier fidèlement la nature parce que mom da ko woné ci ab rideau bo xamné da ko peinture parfois mom bu joggé du xamé fan moy négam fan moy buntam ak fan ak rideau bi nga xamné mom donc ñi la ak ñenen ci soro Jola Mariam Ba. Alors amna ñenen nak dédét artiste bala muy am personnalité bala muy don limu don bala muy mot lumuy don il faut que mu bañ ko imiter mais mu créer, c'est-à-dire nit ki da ngay créer. D'ailleurs Hegel a dit à quoi bon reproduire ou bien imiter ou bien établir ce qui existe déjà. Amul ñu ñoo bu fekké né tableau bi gis nako dans la réalité, à quoi bon reproduire ce tableau là dootul am sens parce que répétition lay don. Hegel mu né sax artiste bi nga xamné ni day jéma di imiter nature bi koku dafa don lo xamni ni du liggey neena imiter dafa yomb ba nga xamni lolou duggé d'ailleurs sax neena lolou munul né parce que kep ku ko nara def
Nous les considérons comme un ver qui faisant des efforts pour vraiment égaler à un éléphant. Ver, moi, j'ai connu moi, sahi, absahbo, comme des demne, mandamai khéha, nyai. Donc cela veut dire que quand monul nek sah monul sitara sinyai. Donc l'or c'est impossible. Marlowe dit la même chose. Heidegger dit la même chose. N'est un artiste, œuvre, de pouvoir voir l'or comme demi, voir l'ennen l'oufifek. Donc l'œuvre d'art doit dire autre chose que la chose qui n'est que chose. Donc cela veut dire que l'artiste doit transcender, doit dépasser cette nature caduque, cette nature indélébile qui est là pour vraiment créer quelque chose. Maintenant, nous avons expression. Expression veut dire tout simplement que ben la xawna niro ak copie, mais duñu ben. Parce que expression bi moy fi artiste bi nam nature bi moy réalité bi moy fa lay jëlé mais nak dafa wara indi personne, c'est-à-dire dafa wara indi identité. Aucun artiste ne peut échapper à ça. Je peux donner l'exemple comme par exemple ce qui en Sanson musique da nga gis ño xamné ni ñeppay woy mbeukel mais ni ni ñu woy mbeukel bokku lok niko wali woy bokku lok niko alpha blondi woy bokku lok niko yandi kodou c'est woy. Donc mbeukel bi c'est la réalité, mais chaque artiste a sa propre teinture, a sa propre personnalité, a sa propre emprise. Donc cela veut dire tout simplement que l'art est expression. Voilà ce que je pourrais dire sur art. Maintenant, pour élaborer vraiment le dernier thème, c'est-à-dire les fonctions de l'art, je vais devoir vraiment solliciter l'appui de Michel Bodian. Je pense qu'il est là. Il pourra vraiment nous donner beaucoup plus de jus, beaucoup plus d'explications pour montrer aux élèves, évidemment, qu'entre la littérature et la philosophie, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de rupture. Ici, je pourrais dire les fonctions de l'art, et j'efface l'art pour dire les fonctions de la littérature. Alors, donc, j'invite M. Bodian, vraiment, ça sera un plaisir, vraiment. Oui, M. Bodian, si vous voulez bien. Alors, donc, l'art... Professeur, oui. Puisque le temps nous est un peu contraint, de manière beaucoup plus ramassée, pour prendre notre intervenant qui est en ligne et qui nous attend, comme ça pourra expliquer rapidement, pour gagner plus de temps. Allez-y. Voilà. Donc, M. Bodian, oui. Je pense que il est important vraiment de faire cette différence-là, ou bien, je dirais bien, montrer aux élèves qu'entre la philosophie et la littérature, il y a des points vraiment ressemblables, il y a des points qu'on peut... ici, les fonctions de l'art pourraient être remplacées par des fonctions de la littérature, et l'élève aura les mêmes arguments, les mêmes autres pratiquement, pour vraiment utiliser sa thèse. Alors, je donne l'exemple, la fonction esthétique, qui est d'ailleurs la fonction principale de l'art. La fonction principale de l'art, c'est sa fonction esthétique, c'est-à-dire produire le beau et tais-toi. L'art pour l'art. Et ça, nous pouvons évoquer les parnassiens. L'art n'a ni utilité, ni fonction. Sa seule fonction réside tout simplement à la reproduction du beau. D'ailleurs, Théophile Gautier dira, sculpte, lime, saisine uniquement pour produire le beau. Alors, tout ce qui est utile, donc cela veut dire tout simplement, pour eux, la fonction principale, la fonction primordiale, la fonction totale et la fonction nécessaire de l'art résulte tout simplement sur l'esprit. Au-delà vraiment des parnassiens, nous pouvons évoquer Flaubert. L'art est la recherche de l'unité. L'artiste doit être comme un dieu, présent partout et visible. Donc cela veut dire que l'artiste doit être quelqu'un qui ne reproduit, qui n'aspire qu'à la reproduction exclusive de la beauté, de l'esthétique, cette beauté artificielle. Donc nous pouvons parler également des runes dans les déclarations de l'amour. Alors, quand quelqu'un déclare l'amour à sa femme, alors quand quelqu'un déclare sa femme à une fille, et je peux donner un exemple d'un écrivain moins connu,
qui m'a inspiré vraiment, qui m'a salué. Alors, le poète, il dit, quand je te vois errer dans la rue, je me prends comme si on m'avait promis quelque chose provenant de la Providence. Dis à tes parents, dis à tes maisonnées, dis à tout ce qui t'entoure, que si je ne t'ai pas aimé, demande à la... demande au feu de m'embrasser. Si je t'ai menti, demande à la mère de m'avaler. S'il y avait d'autres mots, autre que l'amour, je l'aurais vraiment créé. Alors, donc dis-moi, est-ce que tu as entendu les doux mots et les tendres mots que j'ai dit? Alors, donc c'était un poème vraiment qui demandait, qui montrait effectivement que les rimes, les rimes peuvent être également source de beauté. Nous avons les marines dans l'habillement, les notes dans la musique, tout à les fait. Gestes dans la danse. Tout à fait. Parce que la danse, surtout c'est le nom. Chez les serrés, chez les lébous, la danse représente également de l'art. Tout à fait. Et en ça, nous pouvons dire que l'art, c'est de la culture. C'est de la culture. Merci beaucoup, monsieur Dramé. Permettez-moi d'abord d'intervenir. Je sais que selon la définition d'Aristote, je suis loin de là, parce qu'il dit est philosophe celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Je ne le suis pas, mais je sais qu'il y a une interdépendance des disciplines, parce que le roman que je tiens dans mes mains, c'est un roman d'Albert Camus, L'étranger. Et quand on regarde, le thème principal dans cette œuvre, c'est l'absurdité. Et quand on regarde la notion de l'absurdité, c'est une notion qui est empruntée à la philosophie pour traduire tout simplement l'impossibilité de l'homme à trouver un sens à son existence. Quand on prend Marcel, on sait que Marcel peine pour trouver un sens, pour donner un sens à son existence. D'abord, le motif de son départ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'Asie, mère décédée enterrement de mes sentiments distincts. C'était peut-être hier, je ne sais pas. Je prendrai l'autobus à 2 heures pour se rendre où? Pour se rendre à Merengo. Maintenant, quand on regarde dans l'œuvre de l'étranger, nous voyons que y a un passage que j'aimerais également lire pour montrer que c'est une œuvre littéraire, mais qui renferme des informations philosophiques. Parce qu'en philosophie, le mot « donc » a un sens. Ce « donc-là » ne peut pas être ramené en tant que conjonction de coordination. Et c'est un « donc » qui renvoie au doute. Et il dit dans l'œuvre, le narrateur, Mercer, après avoir été condamné à la peine capitale, à la mort, il dit, du moment qu'on meurt, comment et quand, cela n'importe pas. C'était évident. Donc, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce donc représentait de raisonnement. Dans le raisonnement, on a raison et la rationalité. Donc, ce qui me permet simplement de glisser un peu dans ce terrain pour montrer qu'il y a une relation entre ce que les profs de philosophie font et ce que les professeurs de français font. Pourquoi? Parce que quand vous abordez ici la notion de l'esthétique, c'est vrai, dans la littérature française, vous ne pouvez pas étudier, par exemple, les 5 courants littéraires sans pour autant souligner les parnassiens. Oui, parce qu'en dehors du romantisme, du réalisme, du naturalisme, vous avez d'abord les parnassiens avant d'arriver aux symbolistes. Parce que le 19e siècle, je dis bien, c'est le seul des siècles qui regroupe 5 courants littéraires. Et le courant parnassien est le seul courant qui traite de l'art pour l'art. Pourquoi de l'art pour l'art? Pour vous, ce courant est suffisant vraiment à l'élève pour pouvoir élucider effectivement que la fonction esthétique de l'art, c'est sa fonction première, c'est sa fonction principale, et parmi ces parnassiens, vous évoquez Théophile Gautier. Gautier, c'est le théoricien. Voilà. De l'art pour l'art. Parce que dans la préface de son œuvre, Mademoiselle de Maupin, publiée en 1835, il le dit. Il n'y a de ma beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile, elle est. Pourquoi il le dit? Parce que tout simplement pour lui, l'art doit avoir un caractère impersonnel et neutre. C'est la gratuité. L'art n'a pas à être utile. L'écrivain n'a pas à traduire sa dose d'émotion dans les œuvres. C'est pourquoi, toujours aussi, il dit, un homme ne doit jamais laisser de la sensibilité dans ses œuvres. Pourquoi? Parce que la dose d'émotion que l'on laisse dans nos œuvres, ça permet de montrer tout simplement l'expression des sentiments intimes. Alors, professeur, ce qui est contraire
à la deuxième, fonction, c'est-à-dire oui. la fonction engagée. Tout à fait. Alors, la fonction engagée, c'est un peu le contraire de la fonction, esthétique. Parce que dans cette fonction, l'artiste doit impérativement se revêtir d'un soldat, c'est-à-dire qui est là pour prendre en charge les préoccupations de sa société. Tout à fait. Alors, donc, nous pouvons évoquer l'art africain, et moi j'aime bien Maria Moba, et je vais vous emprunter vraiment ce votre levier littéraire aujourd'hui, pour montrer que Maria Moba, au-delà de son œuvre, Une si longue lettre, a écrit également le chant écarlate. Tout à fait. Œuvre dans laquelle il essaie vraiment de montrer son côté engagé tout en mettant en œuvre Djibril Gueye, le père de Ousmane Gueye, par rapport à une autre famille, une famille française, tout à fait. Occidentale, et que l'ambassadeur Monsieur de la Vallée, avec sa fille Mireille. Alors, Ousmane était amoureux de Mireille. Oui. Mais puisque Ousmane était un Africain, oui. Mireille était de la race blanc. Était blanc. Oui. Donc, le père ne pouvait pas du tout concevoir cette relation. Tout à fait. Mais Mireille tenait coûte vraiment lui. D'ailleurs, lorsque le père a vu la photo au devant de sa voiture, il demanda à sa fille, qu'est-ce que ça? Oui. Et Mireille lui a répondu, oui. ça. Le père de ça a guerroyé pour longtemps guerroyé au péril de sa jambe. Tout à fait. Pour montrer évidemment que Maria Moba a profité, a su dans cette œuvre montrer le côté engagé. Tout à fait. Alors je dis cela pour montrer aux élèves que dès qu'on parle de Maria Moba, on va directement à Une si longue lettre. Oui. Mais au-delà de cette œuvre-là, il y a le chant écarlate qui montre évidemment que l'artiste peut être engagé. Tout je pense que vous y reviendrez. Oui. Voilà, nous avons Senghor. Et les nous avons Césaire, et les chiens, c'est Césaire, Marcel Toa, nous avons Ndiagambaye, oui. pour titiller un peu le côté musique, oui. Ndiagambaye, en disant que dans ses œuvres, nous avons vraiment des expressions engagées. Nous avons besoin de vous, Souleymane Faye, Jean Poursaf, les existentialistes. Tout à fait. Il dit que l'artiste doit être un soldat. De par ses mots, de par ses gestes, l'artiste doit combattre l'injustice, doit instaurer la justice, doit être celui qui aspire vraiment à la dignité de son peuple pour prendre en charge ses préoccupations, ses préoccupations quotidiennes. Nous avons pas de Kafka. Il dit que Allô? Si les livres que nous lisons ne nous réveillent pas d'un coup de poing sur le... Allô? Oui? Allô, professeur, bonjour. Allô, oui, professeur. Allô, bonjour. Allô. Allô, oui, professeur. Nous les déglou. Je pense que nous avons M. Sall qui nous appelle de Saint-Louis, professeur de philo au lycée Charles de Gaulle. Allô. Allô, oui, M. Sall. Allô, oui, monsieur Sall. Allô, oui. Je pense que nous avons un problème. Doivent être vraiment un levier de combat. Nous avons Bounto, en Afrique du Sud. Nous avons Franck Fano, Claude Marc Kay. Nous avons également Bob Madeleine. Oui. Donc, je pense okay. que vous allez nous donner beaucoup plus d'exemples. Nous avons Cheikh Aliou Ndao. Mbam, dictateur. Alors, donc, ça c'est purement littéraire. Alors, voilà, en grosso modo, ce que je peux dire sur la fonction engagée de l'art. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, M. Dramé. Je pense que... parlant de la fonction engagée, d'abord, pour revenir un peu à la fonction esthétique, je pense que quand on regarde la notion de l'esthétique, ça traite de tout ce qui est en relation avec la beauté. Et quand je regarde de près, je vous ai entendu parler de Léonard de Vinci, c'est un peintre italien, un artiste italien, que François Ier avait invité au XVIe siècle. Et quand le pinceau de Léonard de Vinci était tombé par terre, le roi François Ier s'était courbé pour ramasser le pinceau. C'est pour montrer l'importance de la littérature, le rôle que joue l'artiste. Parce que n'oublions pas que l'Italie est le berceau de la Renaissance. Évidemment.
Et la renaissance, c'est quoi? C'est l'heureuse et désirable renaissance des esprits des hommes qui auparavant étaient comme endormis en un profond sommeil d'ignorance et de ténèbres. Les gens vont mettre l'accent sur l'homme. Maintenant, pour revenir un peu ici à la fonction engagée, oui. La notion de l'engagement, je pense, c'est une notion qui est très capitale. Vous parlez tantôt de Maria Amaba. Maria Amaba, je pense que toutes les œuvres qu'elle a écrites, les deux œuvres, aussi bien Insi Longlet comme Chant écarlate, sont des œuvres engagées. Parce qu'Insi Longlet traite de la condition de la femme en milieu polygame musulman. La seule femme dans l'œuvre qui n'est pas une musulmane, c'est Jacqueline. Et Jacqueline, elle est protestante. Pour comprendre le protestantisme, il faudrait remonter un peu vers le 16e siècle pour comprendre les 95 thèses publiées par le moine allemand en 1517. Parce que dans ces 95 thèses, le moine allemand remettait en cause ce qu'on appelle la vente d'illusions. C'est-à-dire, pour lui, le paradis ne peut pas être une question d'argent. Ouais. Parce qu'on demandait à ce que les fidèles qui venaient pour se confesser donnaient une somme d'argent et cette somme d'argent allait permettre au pape de construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Mais à la grande surprise des fidèles, ils se sont rendus compte que l'argent était utilisé à d'autres fins. Voilà, je pense que M. Sall est en ligne. Allô? Bonjour, M. Sall. Malheureusement, nous avons... Non, il n'a pas la première page. Nous l'entendons à peine. Alors, revenez sur... Oui. Oui, je disais que pour la fonction engagée, Maria Amaba, dans Chant écarlate également, il traite du mariage mixte, un mariage entre une Européenne et un Africain, comme vous l'avez dit tantôt. Et ici, on va voir que c'est une Européenne qui va prendre la défense d'un noir. Parce que quand Mireille a posé la photo de Ousmane sur le tableau de sa voiture, Monsieur de la Vallée, quand il est entré dans sa voiture, il voit la photo, il demande à sa fille, qu'est-ce que c'est ça? Le mot ça renvoie à l'objet. Cela va vexer Mireille. Parce qu'elle ne peut pas concevoir que son propre père sosifie l'homme qu'elle aime. Et Mireille va répondre à son père en lui disant, le père de ça a guerroyé pour votre pays au péril de sa jambe. C'est un invalide. D'ailleurs, pour lui montrer que les hommes, tous les hommes sont égaux, il lui dit, si tu grattes ta peau, voilà. Il y a le sang. Correct. Gratte ta peau, oui. Papa, gratte ta peau, tu verras le sang, le même sang rouge, oui. Giclé, synonyme de l'égalité entre les humains. Dis-moi, où se trouve ta supériorité? Évidemment. Donc j'invite vraiment aux élèves vraiment de lire cette... Chant écarlate, je pense que c'est une œuvre très... Voilà, très engagée. Très engagée. Alors, nous venons maintenant sur la fonction ludique. Et le mot ludique viendrait du mot plaisir. Nous pouvons évoquer la poésie qui crée un monde fictif. Tout à fait. Je pense. Donc, nous avons le romantisme avec Hugo. Victor Hugo. Surtout les contemplations. Les contemplations. Lorsqu'il a perdu sa fille, le potin. Nous avons les contes chez nous. D'Amadou Koumba. La méthodologie. Les contes d'Amadou Koumba. Tout à fait. Les contes également des vieillards et des vieux de Katakel. Lorsque j'étais jeune, ces contes-là, à travers ces contes, on nous montrait la bravoure, on nous montrait l'honnêteté, on nous montrait le bonheur, on nous montrait également le job, le gore, le full, le fighter. À travers. On nous montrait également l'intelligence à travers les lèvres. On nous montrait la gourmandise à travers les animaux. Donc cela veut dire tout simplement que le conte également fait partie également des œuvres d'art où il y a une fonction ludique. Nous avons la danse. La danse également est purement plaisir. La musique, moi je suis fan de Souleymane Faye. Vraiment. Donc, la musique peut transcender, peut permettre à l'être humain d'être évadé. Donc, souvent je le dis, amna musique, yo xamné, bo méré, boko déploré, ça le fait. Et quand je parle de musique, nous avons également la musique religieuse. Comme par exemple les Mourides avec Hassayé, le Tidjan avec également les livres de Sessounou Mabibari. Amna ñoo xamné boko déploré, ça xol day ba day. Alors donc tout cela, nous avons également le théâtre. Tout cela participe à assouplir nos douleurs et diminuer nos soucis. Donc, est remplacé par des rires et des plaisanteries. Donc, cela veut dire tout simplement que vraiment, et cela, cette fonction également permet de cimenter les relations sociaux. Donc, cela veut dire tout simplement que cette fonction également est très importante. L'élève pourra donner l'exemple
de la poésie, du romantisme, des contes, de la danse, de la musique et du théâtre. C'est vrai, je pense que vous seriez un bon prof de français. Parce que je vois que toutes les fonctions que vous avez traitées ici sont des fonctions que nous rencontrons dans la littérature. Évidemment. Ouais. Aussi bien le roman comme la poésie, comme le théâtre, sont des genres littéraires qui remplissent ces différentes fonctions. Dans la fonction, peut-être la fonction esthétique, plus ou moins, mais quand on regarde la fonction engagée, la fonction ludique, etc., c'est des fonctions que nous rencontrons dans les différents genres littéraires, mais surtout en littérature de façon générale. Ouais. Parce que quand vous parlez de la fonction ludique, vous savez que les difficultés de la vie pour rendre la vie de quelqu'un fragile, cette personne, pour se soulager, devrait tout simplement s'adonner à une activité de lecture pour voyager. La lecture va occasionner l'errance de l'esprit. On va créer un monde fictif différent de ce monde réel dans lequel on va implanter le lecteur afin de lui faire oublier ses propres soucis. On crée un monde inconnu. Et dans le cadre des romans, on voit que les personnages sont des êtres de papier. On ne rencontrera jamais et nulle part dans l'œuvre In Silong Lem. On ne rencontrera jamais et nulle part Mireille ou Monsieur de la Vallée. Parce que c'est des êtres de papier uniquement qui permettent à l'écrivain de peindre la réalité afin de la retranscrire, peut-être pour donner une image plus ou moins complète de la réalité. Mais on sait que c'est de l'imagination, c'est le fruit de l'imagination qui vise tout simplement à tenir le lecteur éloigné de la vraie vie. Oui. Alors, donc je pense que ça c'est tellement clair. Oui. Et je donne souvent à mes élèves un exemple d'une réalité. Je ne vais pas dire l'auteur de ce poème-là, oui. qui a participé un jour vraiment à une évasion vraiment dans une école privée de la plage, lorsque les élèves ont chanté ou bien ont même murmuré ce poème-là, la Casamance. Écoute mes paroles de souffrance et de désespoir. Nos pères et nos mères sont tués dans la beauté, dans l'innocence et dans l'obscurité. Des forêts denses qui nous donnaient une végétation luxuriante, qui nous imposaient nos conditions d'existence, commencent à se dévaster. Prends pitié de ta jeunesse orpheline. Prends pitié de ta jeunesse qui pleure comme une malène. Reprenons le plan et dirigeons ensemble les travaux de la jeunesse sénégalaise. Au casement. Alors vous voyez que ce poème-là participe également, permet également à un Casassien ou bien même à un Sénégalais de pouvoir vraiment s'évader, de corriger même. Et ça, cette fonction-là, c'est une fonction ludico-engagée, je tout peux dire. Oui. Donc c'est ludico-engagé. En même temps que c'est ludique, mais en même temps également, c'est une fonction. Oui, c'est ce qu'on dit souvent dans le cadre du théâtre, castigue à rien de moi, châtier les mots tout en rien. Très bien, oui. Très bien. Alors, nous revenons sur la fonction magico-religieuse, ce que vous appelez en littérature la fonction prophétique. Prophétique. Très bien. Nous avons Senghor qui disait que l'art est une religion en acte. Alors, nous avons les Mastodon, nous avons le Lel chez les Sérères, le Ndopou chez les Lepou, Bois Sacré chez les Djola, les Yela c'est le Poulard, le Ngoyan c'est le Wolof. Donc les cérémonies rituelles, coutumières, traditionnelles et religieuses, oui. Ça participe également, ça montre évidemment que l'art peut avoir une fonction magico-religieuse. Tout à fait, je ne vous coupe pas la parole. Oui. Parce que dans ce cadre religieux, quelqu'un qui n'est pas initié, surtout à milieu de la gang, quelqu'un n'est pas initié au bois sacré, il ne peut pas épouser une femme. Oui. Et c'est tellement important. Cette fonction également, nous la rencontrons aussi bien dans la poésie, dans le théâtre, comme dans le roman. Parce que quand vous lisez Pantagruel, l'œuvre de Rabelais, parce que Pantagruel, c'est le fils de Gargantua. Mais quand on regarde, le fils est plus âgé que le père. Science sans conscience n'est que de l'âme. Dans la lettre que Gargantua a adressée, il prononce des propos prophétiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son fils Pantagruel, il te convient de servir aimer et craindre Dieu. Et en lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir. Et parfois former à la charité, être à lui adjoint, en sorte que jamais tu n'en sois désemparé par péché. Et suspect les abus de ce monde, cette vie est transitoire, la parole de Dieu demeure éternellement. Pour ne pas trop. Très bien. Donc la parole de Dieu demeure éternellement. Cela montre le côté vraiment, ce côté soumission, ce côté croyance des philosophes qu'on caricature parfois comme des athées. Alors, la fonction thérapeutique, je pense. Donc, cher professeur, le temps nous est un peu. Mais oui. Donc on est au terme. Est-ce qu'on peut vous donner mon petit peu de temps?
Alors, malheureusement, le temps, voilà, donc la fonction thérapeutique, je pense qu'elle est là, on peut évoquer les mêmes éléments, le voisin également. Nous avons la fonction communicationnelle, ou bien la fonction communicative ou communicatrice, nous avons la fonction didactique, entre autres. Alors, c'était un plaisir, vraiment, je pense que les élèves ont apprécié, montrer que entre les matières, il n'y a pas d'écart, surtout entre philosophie et religion. Littérature. Et philosophie également, et la société. Parce que qu'est-ce que l'homme ne peut avoir sacré, tout ça, ce sont des. C'est dans la société qu'on peut. Donc, merci, monsieur Bayan. C'est moi qui vous remercie. De votre vraiment modestie, mais ça, c'est. Je tenais à le dire pour montrer qu'ici, un prof d'SVT, un prof de maths, un prof d'espagnol pouvait, un prof d'anglais pouvait venir vraiment et avoir quelque chose. Tout à et je regrette vraiment, monsieur Salle, le fait que nous ayons vraiment des problèmes de ligne, mais j'aurais préféré vraiment qu'il participe à cette émission-là. Et je pense que la prochaine fois, il le fera. Monsieur Bodian, merci, chapeau. Je pense que les élèves ont apprécié. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et remercie également monsieur Ngom pour m'avoir introduit de façon inattendue. Oui, mais je sais que, comme vous le disiez tantôt, c'est des disciplines qui se valent. Et dans la philosophie comme dans la littérature, nous rencontrons des informations que les élèves peuvent utiliser aussi bien dans le domaine de la littérature comme dans le domaine de la philosophie. Parce que quand on regarde le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières, le siècle des philosophes. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on inscrit l'étude du 18e siècle dans la littérature, surtout pour la classe de la seconde. Ouais. Donc, je vous remercie et remercie également Tchangom et l'ensemble des techniciens. Merci à vous. Merci beaucoup. Professeur Dramé, votre dernier mot. Voilà, donc je remercie encore une fois à la coutumière l'ensemble du personnel, surtout les caméramans, les techniciens, le directeur, tout le personnel. Et chapeau vraiment à M. Ngom également. Et je dis coucou à mes élèves, à mes maisonnés, sur la cœur, Marie Noyou. Encore une fois, chaque instant, permettez-moi de le faire, de me faire. Mangi nuyu sunwa keur ñep, voilà, ci kaw ko ci souf ba ci kaw ñom ñep, mangi nuyu ta ndey ta soxna badian ma femme également je remercie M. Ndiaye qui nous regarde certainement avec sa femme Fatou et tout le monde encore une fois et ça m'a sorti une crise à chaque instant bon watcher contre l'anté alors donc je remercie okay. Tout le monde je remercie ma mère également madame Ndiaye numéro 3 Ndey Fari voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, chers élèves, vous qui nous suivez. Merci beaucoup aussi. Yéni, Hamdi, Yéni, Diaw, Lissako, émission Bidisem Éducation. Donc, pour nous, c'est un regret de ne pas avoir Moutier Sall, le professeur de philosophie, depuis Saint-Louis par téléphone. C'est juste un problème d'agrément. Donc, nous remercions Nyeb Dilen Diadj, surtout nos caméramans, les techniciens, la régie, l'ensemble de l'équipe de la RMB TV, à Moutier Fay. Dis-moi, les élèves, bientôt les classes seront ouvertes. Donc, nous préparons, nous avons des cahiers, parce que le professeur est armé. Donc, il y a un petit gadget, Inch'Allah, il y a un numéro, il y a un matière, il y a un professeur.